Il y a un comité prêtre senior l'église épiscopale d'Haïti qui annonçait hier mardi 9 mai yo mette campé un comité permanent ad hoc pour reprendre relation avec autorité l'état yo. Décision ça vini après scandale et qui était éclaté dans l'église catholique côté gagné divers dignitaires dans l'église ça qui t'a importé zam rentrer dans pays a et gagné dans yo qui prison yo qui déjà une arrestation tant coup Père Franz Kol et monsieur Jean-Marie Gilles avec un messager et institution Mamion Saint-Germain gagné deux autres monde encore dans l'église épiscopale qui gagne mandat d'amener des yo qui c'est et actuel président comité permanent révérend Père Jean-Marc Docheville et puis et ancien président comité permanent révérend Père Fritz Désiré nous apprendre la police arrêté hier Madian et bien comité ça gagne la donne Jean-Jano Joseph, président, Père Irnel Duvaux, vice-président, Omana Pierre, secrétaire, Jackson Laguerre, membre, Charles Myrtille, membre, et Edwige Pierre, membre. Dans ce sens, nous allons inviter, tendez, déclaration, président, comité permanent ad hoc, Père Jean-Jano Joseph. Oui, nous faisons notre sortie pour nous capables d'annoncer un nouveau comité qui a l'église là pendant un petit temps pour nous capables de redresser la situation. Comme mon gain là, c'est Révérend Père Jean-Jacques de Joseph, c'est Révérend Père Inel Duvaux, Madame Omana Pierre, Révérend Père Jackson Laguerre, M. Charles Myrtille, c'est Edwige Pierre. Mais comme moi, Joe, nous gagnons pour nous faire une conférence de presse pour nous parler à la population, parce que peuple haïtien souffre en pile et yo connaît comme si l'église épiscopale te fait au mal. Donc, nous voulons expliquer à la population, nous voulons parler à la population et d'après ça, nous, pour nous faire ça. Nous avons une conférence de presse pour nous faire, mais nous avons venu pour nous voir plus de détails, mais pour le moment, nous juste confirmer oui, il y a un nouveau comité que nous mettons sous pied pour capable aider à dresser la situation dans l'église. Qui ça qui prend la principale mission au comité ad hoc comme ça? Mission, c'est puisque autant de l'église a impliqué dans le scandale, pas vrai? L'église a impliqué dans le scandale. Et il y a pile division, ça a porté un pile division dans l'église à tout. Donc nous-mêmes, mission, nous, c'est de ces situations pour nous faire la paix, pour nous chercher harmonie dans le clergé. Même c'est ça qui travaille pas, me travaille pour nous faire, pour nous mettre clergé ensemble, pour nous toutes, pour nous essayer de résoudre problème l'église là et puis pour nous capable laver image l'église là devant peuple haïtien. Parce que mission nous est toujours clair, tout le monde connaît l'église épiscopale qui ça l'a fait dans la société, c'est éducation, c'est santé, c'est agriculture, c'est l'art, etc. Donc ce genre de travail ça nous est toujours à faire. Ça nous tendait là, yo, semaine ça, yo, et depuis mois juillet dernier, scandale ça a éclaté dans l'église. Hein? Ça fait nous souffrir en pile. Et toute l'église a souffri. Donc, nous-mêmes, nous là, nous prenons le travail de concert avec toute ma l'église, yo, toute paix, yo, pour nous essayer de redresser la situation, hein? Pour nous être capables de laver figure, nous laver image l'église devant la société. Hein? Et puis, pour nous continuer mission, nous, ça a été toujours depuis l'église a été rentrée en Haïti. En 1861 et avec monsieur Jacques James Théodore Oli. Au tapot de déclaration, Père Jean-Jano Joseph, qui est président nouveau comité ad hoc et comité prêtre seigneur l'église épiscopale d'Haïti, au mettez campé hier et Madia, qui comité sa gen mission pour rétablir relation avec autorité dans l'état yo et commission sa vini après scandale et trafic zam qui éclaté en dans l'église épiscopale côté gagné divers hauts dignitaires et l'église là qui déjà joine arrestation yo. Il gagne un comité prêtre senior l'église épiscopale d'Haïti yo qui annonçait hier mardi 9 mai yo mette campé un comité permanent ad hoc pour reprendre relation avec autorité l'état yo. Décision ça vini après scandale et qui était éclaté dans l'église catholique côté gagne divers dignitaires dans l'église ça qui t'a importé zam rentrer dans pays a et gagne dans yo qui déjà une arrestation tant coup
et Père Franz Kola et monsieur Jean-Marie Gilles avec un messager et institution Mamion Saint-Germain gagné deux l'autre monde encore dans l'église épiscopale qui gagne mandat d'amener d'ailleurs qui c'est et actuel président comité permanent révérend Père Jean-Marc Docheville et puis et ancien président comité permanent révérend Père Fritz Désiré nous apprendre la police arrêté à hier Madian et bien comité ça gagne la donne Jean-Jano Joseph président Père Irnel Duvaux vice-président Omana Pierre secrétaire Jackson Laguerre membre Charles Myrtil membre et Edwish Pierre membre dans sans nous pas invité tendez déclaration président comité permanent ad hoc ça Père Jean-Jano Joseph. Oui, nous faisons notre sortie pour nous capables d'annoncer un nouveau comité qui a reprenne l'église pendant un petit temps pour nous capables de redresser la situation. Comme mon gain là, c'est Révérend Père Jean-Jacques Joseph, c'est Révérend Père Inel Duvaux, Madame Omana Pierre, Révérend Père Jackson Naguère, c'est Charles Miantil, c'est Edwish Pierre. Mais comme moi, Joe, nous gagnons pour nous faire une conférence de presse pour nous parler à la population. Parce que le peuple haïtien souffre en pile et il connaît comme si l'église épiscopale était fait mal. Donc nous voulons expliquer à la population, nous voulons parler à la population et d'après ça, nous pour nous faire ça. Nous gagnons une conférence de presse pour nous faire, mais nous avons venu pour nous voir plus de détails. Mais pour le moment, nous juste confirmer oui, il y a un nouveau comité que nous mettons sous pied pour capable aider à dresser la situation dans l'église. Qui ça qui prend la principale mission au comité ad hoc comme ça? Mission, c'est puisque autant de l'église a impliqué dans un scandale. Ah ouais? Exact, impliqué dans un scandale. Et il y a un pile division, ça a porté un pile division dans l'église à tout. Donc nous-mêmes, mission, nous, c'est de ces situations pour nous faire la paix, pour nous chercher harmonie dans la clergé. Et même c'est ça qui travaille pas, me travaille pour nous faire, pour nous mettre clergé ensemble, pour nous toutes, pour nous essayer de résoudre le problème l'église et puis pour nous capables laver l'image l'église devant un peuple haïtien. Parce que mission nous est toujours claire, tout le monde connaît l'église épiscopale qui ça l'a fait dans la société. C'est éducation, c'est santé, c'est agriculture, c'est l'art, etc. Donc ce genre de travail ça nous est toujours à faire. Ça a entendu là, yo, semaine ça, yo, et depuis mois juillet dernier, scandale ça a éclaté dans l'église. Ça fait nous souffrir en pile. Toute l'église a souffri. Donc, nous-mêmes, nous là, nous prenons le travail de concert avec toute ma l'église, toute paix, pour nous essayer de redresser la situation, pour nous être capables de laver figure, nous laver image l'église devant la société. Et puis, pour nous continuer la mission, nous, ça a été toujours depuis l'église a été rentrée en Haïti. En 1861, et avec Monsieur Jacques James Théodore Oli. Au tapot de déclaration, Père Jean-Jano Joseph, qui est président nouveau comité ad hoc et comité prêtre seigneur l'église épiscopale d'Haïti, au mettez campé à Yé et Madia, qui comité sa gen mission pour rétablir relation avec autorité dans l'État yo et commission sa vini après scandale et trafic zam qui éclaté en dans l'église épiscopale côté gagné divers hauts dignitaires et l'église là qui déjà joignent arrestation yo. Il gagne un comité prêtre seigneur l'église épiscopale d'Haïti yo qui annonçait hier mardi 9 mai yo mettait campé un comité permanent ad hoc pour reprendre relation avec autorité l'état yo. Décision ça vini après scandale et qui était éclaté dans l'église catholique côté gagne divers dignitaires dans l'église ça qui tape cap importer zam rentrer dans pays ya et gagne nayo qui prisonnier nayo qui déjà une arrestation yo tant coup Père Franz Kola et monsieur Jean-Marie Gilles avec un messager et institution Mamion Saint-Germain gagné deux l'autre monde encore dans l'église épiscopale qui gagne mandat d'amener d'ailleurs qui c'est et actuel président comité permanent révérend Père Jean-Marc Docheville et puis et ancien président comité permanent révérend Père Fritz Désiré nous apprendre la police arrêté à hier Madian et bien comité ça gagne la donne Jean-Jano Joseph, président, Père Irnel Duvaux, vice-président, Omana Pierre, secrétaire, Jackson Laguerre, membre, Charles Myrtil, membre, et Edwish Pierre, membre, dans ce sens, nous allons inviter tendez déclaration président, comité permanent ad hoc, Père Jean-Jano Joseph.
Oui, nous faisons notre sortie pour nous capables d'annoncer un nouveau comité qui a préparé l'église pendant un petit temps pour nous capables de redresser la situation. Comme mon gain là, c'est Révérend Père Jean-Jacques Joseph, c'est Révérend Père Inel Duvaux, Madame Omana Pierre, Révérend Père Jackson Naguère, c'est Charles Miantil, c'est Edwige Pierre. Mais comme moi, Joum, nous avons pour nous faire une conférence de presse pour nous parler à la population. Parce que le peuple haïtien souffre en pile et il connaît comme si l'église épiscopale était faite mal. Donc nous voulons expliquer à la population, nous voulons parler à la population et d'après ça, nous pour nous faire ça. Nous avons une conférence de presse pour nous faire, mais nous avons venu pour nous voir plus de détails. Mais pour le moment, nous juste confirmer oui, il y a un nouveau comité que nous mettons sous pied pour capable aider à dresser la situation dans l'église. Qui ça qui prend la principale mission au comité ad hoc comme ça? Mission, c'est puisque autant de l'église a impliqué dans scandale, pas vrai? Ils ont impliqué dans scandale et il y a pile division, ça a porté un pile division dans l'église à tout. Donc nous-mêmes, mission, nous, c'est redresser la situation pour nous faire la paix, pour nous chercher harmonie dans le clergé. Et même c'est ça qui travaille pas, je travaille pour nous faire, pour nous mettre le clergé ensemble, pour nous tous, pour nous voir si nous avons résolu le problème, l'église, et puis pour nous capables de laver l'image de l'église devant un peuple haïtien. Parce que mission nous est toujours claire, tout le monde connaît l'église épiscopale qui ça l'a fait dans la société, c'est éducation, c'est santé, c'est agriculture, c'est l'art, etc. Donc ce genre de travail, ça nous est toujours à faire. Ça nous a dit là, semaine ça, et depuis mois, juillet dernier, scandale ça a éclaté dans l'église. Ça fait nous souffrir en pile. Toute l'église a souffri. Donc, nous-mêmes, nous là, nous prenons le travail de concert avec toute membre l'église, toute paix, pour nous essayer de redresser la situation, pour nous être capables de laver figure, nous laver image l'église devant la société. Et puis, pour nous continuer la mission, nous, ça a été toujours depuis l'église a été rentrée en Haïti. En 1861, et avec Monsieur Jacques James Théodore Oli. On t'a porté déclaration, Père Jean Jeannot Joseph, qui est président nouveau comité ad hoc et comité prêtre seigneur l'église épiscopale d'Haïti, au mette campé à Yé et Madia, qui comité sa gen mission pour rétablir relation avec autorité dans l'État yo et commission sa vini après scandale et trafic zam qui éclaté en dan et l'église épiscopale côté gagnent divers hauts dignitaires et l'église là qui déjà joine arrestation yo.